sais normalement quelle heure il est? 6h45. 6h45. Je l'ai pas mis à l'heure. Bip, 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 bip. 70 pour les reboules. Ah putain, ouais, c'est vrai que les visuels c'est intéressant. Dans les marais. Antoine, mais c'est pour descendre ça. Non mais ça on se parle. Là. Hein. S'il y a un signe, s'il y a un lac, tu penses pas que ce serait le lac des signes? C'est pourquoi les Indiens ils font ça. Attends. C'est pourquoi les Indiens ils font ça. Je sais pas pourquoi. Parce que s'ils font ça, ils voient pas. Facture de Bourgogne. Ah merde, on est bien en France. Journal de bord. 9h03. Nous mourrons de faim. Ça va, nous avons vu un colvert. Il abuse tellement. Après l'espèce sur le bouquin, vous voyez bien que c'est la même. Lapin ! Un lapin ! C'est un lièvre, je peux vous dire. Non, il a des petites oreilles, c'est un lapin. C'est toi mon lapin. Oh. Oh. Tu vas voir. Tu sais filmer ou pas ? Bien sûr. Oui, d'accord. Un jour j'ai fait ça, mais c'était pendant la guerre de 14-18. J'ai pris quelqu'un sur mes épaules comme ça. 7 jours que je suis resté avec. 7 jours. Impressionnant, je suis sûr qu'il filme pas. Le style chevalier, bécassine ou autre. Des chevaliers ? Ouais. De la table ronde ou... Ouais, des templiers. Incroyable. Ouais, humoriste. Incroyable. Vers la baie de Somme. J'ai failli tomber. Et là, t'as poil déguisé en coq. Qui sort du fossé. Apparemment, j'ai vu des ça. Ah ouais. C'est cool. On les voit mieux comme ça. Hein. Nicole, Bécasso, Chevalier, tout ce bordel là. La table ronde. J'aurais pu l'avoir dans la gueule. Hein. Mais non. Je suis le meilleur lanceur de galets du bordel, champion de. Champion de gros du bordel de lanceur de galets. J'en ai fait un gros. On a fait un gros. T'es que ton école de Pâques. Alors en fait, là t'es dans la baie. Là, regarde. Et donc c'est le premier, c'est celui qui va chasser simplement pour chasser des enfin pour, non il va regarder exprès pour voir les bestes. Les bestes. Il va traquer les meilleurs oiseaux et le vrai ornithorynque, enfin ornithologue, c'est celui qui va pour explorer et approfondir la science des oiseaux. Le vrai ornithologue c'est celui justement pour trouver le vrai ornithologue, il cherche par lui-même, alors ouais. Que le cocheur il va regarder ce qu'on lui a déjà dit, enfin ce qu'on lui a dit, il va voir juste pour cocher. Voilà, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ah merde, man, pourquoi tu me filmes là? Un dernier mot pour ta famille. Ouais. Il y a un mec qui t'insulte dans un bar ou quoi, tu sais, ou en public. Tu regardes, il fait qui a du caca king. Tu l'humilies, le mec. On a appris que Nicolas Poiret buvait du Coca Light. Ouais. Ouais. Entre ornitho, il peut y avoir des amitiés quand même. Ouais, moi j'ai des potes ornithos. Pas tous cons.
Non, je te dis. Bon allez, on regarde le soleil, le premier qui lâche, il a perdu. Le premier qui devient aveugle est un faible. Ah. Allez, oh. Pas très loin, il manque juste une lettre. Ah, mais un train, mec. Marchette. Marchette. Allez, je vous ai vu. Il se sent chaud pour conduire. Alors là, il n'y a plus personne. Putain, vas-y, si tu veux. Biche. Il y a Stefanski qui va dormir en volant. Ça va, je vais. Ouais, ça m'arrive, mais je gère en dormant. je prends contrôle de mon rêve et je rêve que je conduis. Je prends contrôle de mon rêve et je rêve que je conduis. Ouais, c'était pas mal ce jeu. Fin de la journée. On rentre au Bercail. Merci Antoine. Ah, c'était avec plaisir.